cherches des gens de joie, tu les trouves à ceux qui sont en Jésus-Christ véritablement. Amen. Et le monde est en train de chercher la joie. Mais la joie est déjà venue en ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ. Mais quel contraste nous avons dans le monde à ceux qui proclament qu'ils ont Jésus-Christ quand on ne voit pas la joie. Amen. Tous bons comme ils vont toujours au salon funéraire. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de joie. Amen. Je vais commencer par quelques remontrances, mes bien-aimés. Arriver à temps. Si je ne le fais pas, moi, je vais avoir des problèmes avec Dieu. Amen. Mon travail, c'est de vous rappeler arriver à temps. Quand vous arrivez à temps, vous commencez à vous vanter avec nous, c'est mieux. Alléluia. Et c'est pour votre bénéfice et pour d'autres bénéfices de retour. Nous avons dit à Dieu que nous commencions à 11h45. Alléluia. Nous allons arriver à 11h30 à 15 minutes pour arranger les choses. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vois qu'il y a une nouvelle tête parmi nous. Alors, tu peux te présenter. Mets-toi debout, mon frère. Tu es le bienvenu dans la maison de la joie ici. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Tu peux vous appeler comment? Mon nom, c'est Alain Lebrun. Alain Lebrun, oui. Je suis présenté fait part avec M. Waka. Amen. Ouais. Ok. Monsieur Alain, frère Alain Lebrun, tu es le bienvenu. Amen. Amen. À la maison de prière. Amen. Alléluia. Tu es bien reçu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre de revenir aussi jusqu'à l'éternité si tu veux. Amen. Le Seigneur est grand. Alléluia. Amen. On va s'asseoir. J'ai oublié mes lunettes. Je vais emprunter celle de madame. Alors, juste pour lire un peu, je vais apparaître comme un. Alléluia. Amen. Amen. Alors, voilà, il est pour le caméra dimanche passé. Mais c'est demain. Hier, je devais acheter, mais je dis non, je ne vais pas être trop pressé. Je suis en train d'enseigner sur le fruit de l'esprit, comment c'est développé dans la précarité. Alors, je dis, mais moi aussi, je vais te passer. Je vais dans certains projets tranquillement, m'arrêter quelque chose qui va nous faire au moins 5 ans sans problème, une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Juste pour récapituler pour nos bien-aimés qui sont arrivés pour la première fois, ou ceux qui oublient toujours. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier depuis 5 dimanches. Les 7 raisons pour lesquelles les épreuves arrivent dans la vie de croyants. Amen. Le psaume 34, verset 20 dit simplement, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. En d'autres termes, je reviens toujours sur ça pour que ça entre dans la tête et que vous ayez la révélation de ça. Quand tu vois un problème et que tu es en Jésus-Christ, sois sûr que le problème va être résolu. Amen. Amen. Donc, quel que soit le problème que nous pourrons vivre, nous sommes sûrs que cela va finir. D'ailleurs, tu dois savoir que cela va finir avant de traverser le désert. Si tu ne sais pas que tu vas atteindre le bout du désert, tu vas avoir des problèmes, tu vas te trouver dans le désert. Je voyais l'histoire d'une dame hier, comme par hasard, qui voulait faire un pari de nager de Cuba jusqu'à Floride. Et c'était elle nageait, mais elle est arrivée à une journée d'arrivée, elle a fait 3 jours, 4 jours. Elle ne pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Amen. Mais elle avait le but bien fixé qu'elle arrivait. Elle a dit non, cette fois-ci, je n'ai pas réussi. Je vais encore retourner à l'automne prochain. Je crois qu'elle ne croit même pas à Dieu des fois. Amen. Mais vous, les chrétiens, après l'échec, vous croyez que tout est fini. Amen. Un échec ou une défaite ne signifie pas que tu as perdu la guerre. La Bible dit, cette fois l'Égypte tombe, cette fois il se relève. Donc tu as la possibilité de te relever, d'avancer. Amen. On a laissé au monde les nos concepts précieux, comme le courage, comme la foi qu'ils appellent pensée positive. Mais nous-mêmes, nous ne l'appliquons pas. Alléluia. Les épreuves feront partie de la vie de l'enfant de Dieu, qu'on ne le veut pas. Mais l'enfant doit savoir que, comme Paul a vaincu tous, toi tu vaincras aussi. Alléluia. Alors on a vu la première raison rapidement pour qu'on termine l'enseignement aujourd'hui. Et que Dieu testera votre foi. Si tu as cru en Dieu, un moment Dieu va tester ta fidélité par voir lui. Il va tester ta foi. Il va voir si tu crois vraiment ou c'est simplement c'est une pensée qui te passe dans la tête. Amen. Il a demandé à Abraham, le fils qu'il a attendu pendant des années, il a demandé à Abraham de donner son propre fils, l'unique fils qu'il a eu. Abraham n'a pas hésité. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas la guerre dans le cœur, mais il avait plutôt l'obéissance à Dieu, même s'il y avait la guerre. Il dit, je vais aller parce que je sais que c'est Dieu là, c'est de lui que vient l'enfant.
S'il le demande, peut-être qu'il y a quelque chose de meilleur pour moi. Amen. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas laisser quelque chose parce qu'ils croient que c'est fini là. Si c'est Dieu qui te demande de laisser quelque chose, il y a toujours quelque chose de meilleur en lui. Alléluia. Et puis, avant même parti, vous connaissez l'histoire, jusqu'au moment où il allait sacrifier l'enfant. L'ange a dit, ne touche pas l'enfant. Je veux maintenant que tu me crains. Et l'alliance a été scellée avec Dieu. Amen. Dieu te sera ta fidélité. On a vu ça, je ne vais pas revenir en détail sur ça. On a vu la même chose que c'est pendant l'épreuve que tu vas découvrir qui tu es. Si tu as prétendu être chrétien, c'est pendant l'épreuve qu'on dit, oh, mais le frère, la sœur, est-ce qu'il est chrétien? Les gens vous voient et tu vas remarquer, non, 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 j'avais une prétention. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je me répands, je vais la vraie chrétienté. Voilà pourquoi j'ai fait le prix des rédicaces. Je dis peut-être, ah, les frères l'ont fait accepter Jésus tout le temps. Non, j'ai fait les rédicaces parce que des fois, tu avais prétendu, maintenant, toi, le juste. Alléluia. Amen. La Bible dit, sur le chemin qu'il a tracé sur nous, nul insensé ne se perdra. Donc, on peut être insensé en suivant Dieu, mais on se perd un peu. Dans sa bonté, il va nous retourner vers son chemin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On a vu ça, et puis on a vu la troisième chose rapidement, que c'est qu'il est de Romains, simplement que le preuve de notre foi produit quelque chose de merveilleux qui est à la crédité, qu'on appelle la persévérance. Je ne connais pas un chrétien qui n'est pas persévérant. Un vrai chrétien doit être persévérant. Parce que tu dois faire la différence dans les calamités, dans les histoires très compliquées. On va voir aujourd'hui avec le fruit de l'esprit. Et tu dois faire la différence. Parce que toi, celui qui est en toi est plus grand que celui dans le monde. Alors que chez tout le monde, quand l'extérieur des non-croyants s'est dépéri, c'est sûr que son intérieur aussi a été dépéri. Mais ce n'est pas la vérité pour les chrétiens. Les chrétiens, quand ton intérieur a été dépéri, ton intérêt devient plus fort. Amen. Amen. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est Paul qui a dit ça. Amen. Ça signifie que les gens ne peuvent pas. Si on te dit par les paramètres extérieurs, ton épreuve extérieure, on peut dire que tu es maudit. Malheureux que tu es dans l'école de Dieu pour des grandes choses demain. Vous connaissez l'histoire de Joseph dans la Bible. Amen. Joseph a été vendu par ses frères pour la jalousie. Joseph était arrivé en Égypte. Il a été vendu aux gens chers comme un esclave, acheté par Potiphar. Et puis Potiphar, la femme de Potiphar voulait aller toucher un peu Joseph. Amen. Joseph a refusé. Et puis finalement, il était dans la prison. C'est la prison qui est devenue prince. Il est devenu premier ministre d'Égypte. Qui pouvait voir Joseph dans la situation où il était et pouvait imaginer que Joseph était béni? Personne. Amen. La chose la plus certaine doit être sûre que tu es en Jésus-Christ. Le reste n'est pas important. Parce que tu vas t'en sortir. Alléluia. Parce que beaucoup avaient le message de prospérité. Aujourd'hui, on dit aux gens, venez, venez en Jésus-Christ, tout sera beau, il n'y aura rien. Alors finalement, les gens se rendent après 5 ans, il y a beaucoup de ses frères, comme disait un homme d'affaires. Mais lui, Dieu merci qu'il a tenu bien. Et aujourd'hui, il est totalement restauré en 2000, que j'ai amené en Christ. Et puis, et sa femme était déjà une de mes filles spirituelles. Et puis, il me dit, frère Laurent, c'est ça être chrétien? Mais moi, je ne croyais pas tout était bien, mes business là, je pouvais aller au milieu de la construction, faire mes contrats dans ma manière, et puis les choses marchaient. Mais être chrétien, il dit, frère, il y a un bénéfice là. Aujourd'hui, je crois que c'est un homme qui est serviteur de Dieu déjà et qui va encore servir Dieu. Et Dieu est bon dans tout ça. Amen. La troisième chose, la quatrième chose que nous avons vu rapidement, est que vous, qui a beaucoup d'amis ici, frère, on va parler de qui, il a plein d'amis. Moi, je suis pas sûr qu'il a plein d'amis. Il a plein d'adulateurs, mais il n'a pas plein d'amis. Amen. Amen. C'est pendant l'épreuve qu'on découvrira qui est son vrai ami. Amen. Amen. Parce que quand tu vas bien là, tout le monde courira derrière toi. Mm-hmm. Mais quand tu commences à manquer là, la Bible dit, papa, pendant l'épreuve, un ami se montre un frère. Mm-hmm. Un vrai ami. Pendant l'épreuve. Donc, l'épreuve peut nous arriver, c'est moi, Dieu voit que tu es en train de décider, mais à côté de toi, il y a beaucoup de. C'est qui le DVD? Et puis il y a beaucoup de l'autre autour de toi. Celui que tu dis avec l'autre, ta bénédiction ne va pas arriver. Amen. Il fallait qu'Abraham se sépare de l'autre pour que sa bénédiction soit là. L'autre avait choisi là où il y avait les belles plaines, où c'était verdâtre, c'était Sodome et Gomorrhe. On ne savait pas que ça deviendrait historiquement mal connu comme aujourd'hui. C'était une belle ville. C'était la jouissance, c'était belle plaine. L'autre a dit, moi je vais là-bas, Abraham a choisi là où il y avait les piguilles, il habitait dans les tentes, il y avait comme le désert. Amen. Mais Abraham a été béni éternellement. Comment on a? Alléluia. Des fois, il y a tous les autres autour de toi, et c'est pendant l'épreuve, tu te couvres qui est l'autre, tu te sépares de ces gens-là. Comment on a?
tu les détestes pas, mais tu vis plus avec eux. Bridge. Parce que moi, je ne crois pas que les justes doivent vivre ensemble avec les justes. Tu ne crois pas à ça? Comment, non? Bridge, amen. Je ne crois pas que nos jeunes gens vont se marier avec les non-croyants. Non. Non. Il faut dire non, catégorie, parce qu'ils vont arriver à la catastrophe. Je suis à cet âge ici, ils vont à la catastrophe. Mm. Bridge. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la sixième chose que nous avons vue, la cinquième que nous avons vue, je ne vais pas tout répéter aujourd'hui là. Amen. J'espère que vous avez suivi l'enseignement. La cinquième chose, amen, amen. Je vais te parler de la jeune fille. Amen. C'est l'épreuve nous prépare à mieux aider les autres. Amen. Si tu as déjà été dans la rue pendant 2 mois, dormi seulement dans la rue, le jour où tu vas parler à quelqu'un de la rue pour l'aider, ou quelqu'un qui résiste à retourner dans une maison normale, tu es mieux placé pour le comprendre, pour l'aider. Mm-hmm. Je ne dis pas que moi je ne peux pas l'aider, mais toi tu l'aideras mieux. Amen. Une femme qui a été dans la rue comme prostituée, qui dédie en Jésus-Christ, aura plus de compassion envers ceux qui sont là-bas pour les amener avec eux que toi qui n'as jamais connu de problème de la vie. Je ne dis pas que tu ne peux pas le faire, par l'onction du Saint-Esprit, tout est possible. Mais Paul n'était pas marié, mais il a donné le meilleur enseignement sur le mariage. Et tout est possible. Mais toi, tu peux mieux aider la personne. Alléluia. C'est pourquoi même pour ceux qui ont l'onction des prophéties, il y a dit Ézéchiel, vous voyez qu'Ézéchiel, avant de prophétiser, est allé au chapitre 2 d'Ézéchiel s'asseoir à la manière de la Bible avec ceux qui étaient en déportation, les exilés. Il est resté là-bas jusqu'à ce que son cœur, pendant 7 jours, il soit combiné avec ses yeux pour qu'il va prophétiser. Et puis, Dieu lui dit, maintenant, tu vas pas seulement prophétiser, tu vas prendre leur péché. Tu vas dormir une année d'un côté et l'autre année de l'autre côté. Et tu vas manger de la nourriture avec la nourriture des hommes. Il dit, non, papa, toi, le papa, les caca des hommes, moi, je n'ai jamais rien fait de plus. Sois juste. Dieu dit, bon, tu vas utiliser dans la bouche des vaches. Amen. C'est pour dire simplement, même dans l'onction de prophétie, c'est maintenant avec la compassion. Tu arrives à prendre la vie des gens en tes mains. Parce que toi, Dieu t'a mis la parole de la mort et de la vie quand tu pries. Alléluia. Amen. On ne va pas sortir si je reviens sur ce qu'on disait. Donc, tu aideras bien une personne. Je vous ai parlé du témoignage de la jeune fille. Le jour où j'ai enseigné ce message ici, le soir, j'ai pris le vélo, je suis allé au bord du fleuve. Il pleuvait, mon frère était à la maison. Ma femme est là, j'ai pris mon vélo, je suis parti. Il dit à mon frère, je viens. Au bord du fleuve, l'esprit me conduit comme un malade mental. J'allais, puis je vis une jeune fille à Kangoulé. Je suis allé vers elle. Je lui ai dit, je vais entendre les prières, mais pourquoi tu pleures? Ah, elle ne voulait pas parler. Et puis je commençais à lui parler de l'amour de Dieu, l'exhorter sur Jésus-Christ, lui dire que c'est l'épreuve. Les psaumes 34, je lui ai dit, le soir passera. Et il dit, mais mon épreuve ne passera pas. Pourquoi? Parce que c'est mon papa qui est mort il y a une semaine. J'ai dit, ok, moi aussi, mon papa est mort exactement 2 ans maintenant. Je sais ce que tu sens. Alors, la compassion, j'ai mis ma main sur la jeune fille, j'ai prié pour elle. Après, les larmes ont cessé. Elle m'a donné son nom, de sa mère, et tout, et l'histoire de la famille. Je lui ai donné le site de Diva. Je l'ai fait accepter. J'ai prié.